Salut, je m'appelle Mika Guerrier, je suis animateur et chroniqueur sportif et je suis père d'une fille. Et ça, c'est du sport. C'est peut-être une déformation professionnelle parce que j'ai rencontré beaucoup de coachs dans ma carrière, mais être père, je vois un peu ça comme être coach. Un coach peut être exigeant avec ses athlètes, mais il doit surtout bien les encadrer pour les aider à s'améliorer et surtout atteindre leurs objectifs. C'est la même chose avec ma fille. Je lui donne un cadre pour qu'elle s'épanouisse et qu'elle atteigne son plein potentiel. Dans le fond, être parent, c'est coacher son enfant. Un bon coach, ça doit être clair et motivant. Imaginez un coach de basket qui donnerait des explications beaucoup trop compliquées pour ses joueurs. Fait que là, on attaque les zones offensives en orientant le tireur avec des mains actives. Une feinte, garde à gauche, garde à droite. On attaque en zone défensive. C'est simple comme ça, vous avez compris? Moins c'est clair, moins c'est motivant. Pour gagner les filles, c'est simple. Deux choses. Gardez les yeux sur le ballon et vous avez du plaisir. Vous avez compris? Partons d'une situation de la vie de tous les jours où c'est important d'avoir un plan de match clair et motivant. La routine du soir. La routine est très simple. Faire les devoirs, souper, jouer dehors, brosser les dents, lire avant le dodo. Ça donne l'acronyme FGGBL. On peut pas reprocher à notre enfant d'avoir mal fait quelque chose qu'il a mal compris. C'est comme quand je donne mes commentaires sur un match. J'y vais un point à la fois et je m'assure d'être clair pour être bien compris. Ça fait que ma fille comprend mieux mes attentes. Un plan de match simple, simple, simple. Première étape, brosser les dents. Ensuite, tu viens me voir pour d'autres consignes parce qu'on veut pas que ce match-là aille en prolongation, hein? C'est bien compris? L'idée, c'est de l'accompagner dans la bonne humeur, d'être un coach bienveillant. Dans le fond, on est là pour guider notre enfant de la meilleure façon possible. Comme un coach croit en son athlète, le parent est celui qui croit le plus en son enfant et qui connaît le mieux son potentiel. Parce que être parent, c'est coacher son enfant. Bon, je vous laisse. Coach Meeker retourne derrière le banc. Let's go! Quatrième quart, c'est le dernier. On lance pas!